May I ask your attention, please? And I ask you to keep silent, please, just in order to allow the round table to start. So, thank you. And I will like very much to introduce this round table on the what we have already built upon the UNIDROIT Convention of 1995, and what we have to build up. And for this, we have several important speakers. We are going to now to tackle four items. The first is the UNIDROIT Conventions, the dynamics of sources in international law. For this, we have Professor Jean-Sylvestre Berger, de l'Université Jean Moulin de Lyon. And we will tackle also the archaeological objects specific issues. For this, we have the Professor Cyridon Vrelis, from the University of Emeritus Professor from the University of Athens, and he's the director of the Hellenic Institute of International and Foreign Law in Athens. We are going to also to talk about the objects from the church institutions, ecclesiastic objects. We have two speakers, Mr. Sandro Barbagallo, who is the curator of the Department of Historical Collections in the Vatican Museums, and our Secretary General, Mr. José Ángelo Estrella Faria. And we are finally talking about private collections with two speakers, Monsieur Marc-André Haldeman, who is an associate researcher of the University of Bern, and he is an expert on Mediterranean archaeology, and Mr. Jorge Sánchez Cordero, who is the director of the Mexican Center of Uniform Law and vice president of the International Academy of Comparative Law. I'm not going to present all these speakers except for these very, very short and small remarks, because we have very, very little time for the round table. And I would like just to begin with le professeur Jean-Sylvestre Berger, qui va parler des sources du droit international autour de la Convention UNIDROIT. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le président de UNIDROIT, monsieur le secrétaire général, Marina, pour votre invitation. Alors, je dois vous dire la petite raison de ma présence parmi vous. Il y a à peu près 15 ans, j'ai écrit un article sur la Convention UNIDROIT, une commande, de Philippe Kahn, qui était le directeur du CLUNET, le journal du droit international. J'ai eu la chance de travailler avec un monsieur auquel je rendrai hommage ici, monsieur Robert Leca, qui était chargé, enfin inspecteur général au ministère de la Culture en France, qui connaissait parfaitement le sujet, qui m'avait initié à cet instrument, et je me l'étais approprié avec mon regard, qui est le regard de l'internationaliste européaniste. Et alors, j'étais en Tunisie pour le travail, quand je reçois le mail de Marina, et alors j'en ai conclu que on ne sait pas pourquoi on travaille, mais là, j'avais une bonne raison de l'avoir fait, puisque la belle invitation m'était faite de revenir vous parler de ce sujet. Je voudrais commencer par un mot de Paul Nizan, qui était un journaliste, essayiste, romancier français, qui est passé d'un extrême à un autre et qui, vous le savez sans doute, est mort assez jeune. Et il y a une phrase qu'on retient de Paul Nizan, surtout quand on a eu 20 ans, et on est à peu près tous dans ce cas-là, sauf les quelques très jeunes qui seraient ici parmi nous. « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. » Voilà cette phrase pessimiste de Paul Nizan. Alors, la Convention UNIDROIT a 20 ans et elle considère que ce n'est pas le plus bel âge de sa vie parce qu'elle considère que son avenir est encore devant elle. Voilà la proposition que je vais vous faire pour cette présentation. Cette convention d'UNIDROIT est une convention qui s'est ajoutée à un corpus de textes antérieurs, des conventions internationales, des résolutions, des déclarations, même de la soft law avec des codes de bonne conduite.
Et si on se place dans la perspective historique de 1995, qui est le travail qu'on m'a demandé de faire, de me replacer dans la perspective de 1995, eh bien vous avez un déséquilibre quantitatif très important entre une petite convention, pas très longue, quelques articles seulement, et un corpus très nourri de conventions internationales, de résolutions, recommandations, même d'une directive, la directive de 1993, sur ce sujet. Et le regard de l'internationaliste européaniste est de se demander pourquoi les hommes sont assez fous pour vouloir alimenter, comme par prolifération, ce corps existant. Qu'est-ce que ce dernier né, cette convention toute récente, va apporter de plus par rapport au texte antérieur? Et la réponse est que la Convention du Nidroit est un texte extraordinairement moderne qui est allé au-delà d'un certain nombre de clivages, de certaines dogmatiques, et que même si son objet est relativement limité, pas étroit, mais relativement limité, eh bien, nous avons un instrument qui peut se targuer dans ce paysage global d'avoir sa singularité, d'avoir son identité propre, alors qu'il est un peu le dernier arrivé, si j'ose dire, dans ce paysage, et même si depuis il y a eu d'autres instruments. Ce rapport entre Unidroit et les textes antérieurs, je vous propose de les travailler de manière dynamique, c'est-à-dire dans un jeu d'interaction. Le droit n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se réalise dans la mise en œuvre, dans la pratique, et on va essayer d'examiner comment la Convention d'Unidroit s'est insérée ou s'insère dans ce paysage global. Cette dynamique n'est pas un esthétisme, ce n'est pas une vision moderne du droit ou une mode. Ce dynamisme est une nécessité. Je m'explique. Le trafic des biens culturels est ce qu'on pourrait appeler un fait international total. C'est-à-dire que l'homme n'est pas capable, n'a jamais été capable et ne sera jamais capable d'endiguer totalement le phénomène. Il essaye, par différents outils, de l'appréhender, de l'approcher. Il essaye d'en contrôler certaines manifestations. Ici, Unidroit intervient ex post, une fois que le mal est fait, avec des propositions de réparation en nature. Il s'agit de remettre la situation dans un certain ordre pour essayer de remédier au mal qui a été porté. Eh bien, cette réalité-là, fait total international, suppose que nous imaginions, nous juristes, des règles de droit agiles. Et une règle de droit agile, c'est une règle de droit mobile, c'est-à-dire qui interagit avec son environnement. Donc je vais faire l'éloge de la Convention d'Unidroit dans cette perspective, en expliquant que face à une réalité de cette importance, on n'avait pas d'autre choix que d'innover, et je crois que le parti a été en partie, en tout cas réussi. Le pari, pardon, a été en partie réussi. Pour décrire cette dynamique, je vous propose d'avoir une approche un peu chronologique, de partir de la naissance de l'instrument, de voir comment on peut placer cet instrument dans l'échiquier global, et ensuite d'examiner comment cet instrument, dans sa mise en œuvre, est censé interagir avec son environnement international, européen et national. Alors voyons d'abord la naissance de l'instrument. La Convention d'Unidroit n'est pas intervenue en terrain vierge, en terrain incognita. On est au contraire dans un paysage qui est déjà passablement nourri, alimenté, pour ne pas dire encombré. Et donc l'idée d'Unidroit, c'était de constituer la marche supérieure qui allait se placer sur des marches antérieures, sur des fondations. Et c'est un des moyens, d'ailleurs, qu'Unidroit a utilisé pour valoriser ce qui a été fait auparavant. Dans ce qui a été fait auparavant, on observe un effort de définition, premier élément, définition des biens culturels, définition du patrimoine culturel national, qu'Unidroit n'a pas cherché à rivaliser, c'est-à-dire
n'a pas cherché à améliorer par des propositions propres. On trouve, au-delà de cet effort de définition, dans les textes antérieurs, une catégorie juridique. Les biens culturels sont déjà une catégorie du droit, et il est quand même remarquable d'observer que cette catégorie du droit, nous la devons à quoi ? Aux instruments de libre-échange. C'est le GATT de 1947 qui a donné une sorte de réceptacle à cette catégorie. Cet article 20 du GATT, qui a largement inspiré l'article 36 du traité à l'époque CEE, qui est resté 36 de TFUE aujourd'hui, fait également une place aux biens culturels. C'est donc dans le jeu du commerce mondial des biens qui circulent qu'on a décidé de faire une place en tant que telle à cette catégorie. Ces données sur lesquelles Unidroit s'est reposé est aussi fait de faiblesses. Et dans les faiblesses, sans prétendre redire ou refaire ce qui a été dit ce matin et très bien dit ce matin, tiennent en particulier au fait que la très importante convention de l'UNESCO de 1970 est une convention de vieille génération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une convention qui n'a pas vocation à déployer directement ses effets. Elle crée des obligations pour les États. Elle n'entend pas investir les sujets de droit, de prérogatives particulières. Elle n'envisage qu'une partie du dispositif, pas la totalité comme essaye, en tout cas, plus large partie comme essaye de le faire Unidroit. Et donc, on a une base importante qui fixe les définitions, qui consolide la catégorie, mais qui, au fond, n'est pas opérationnelle comme les Unidroit. Et c'est ça que va apporter ou va s'efforcer d'apporter convention d'Unidroit. Autre élément préexistant à la convention d'Unidroit, la directive de 1993, un instrument important, mais un instrument qui a une portée régionale réduite, qui se limite à des échanges entre États membres de l'Union européenne, et un instrument qui n'envisage qu'une question, celle du retour demandé par les États des biens culturels. Sur ce socle, la Convention d'Unidroit va construire des nouveautés et va faire sa propre révolution. Alors, cette révolution, elle tourne autour, au fond, du dépassement d'un certain nombre de clivages. Ce que je vais dire est très juridique, en tout cas intéresse le professeur de droit que je suis, mais il faut vous rendre compte que ce n'est pas très fréquent qu'un instrument international se montre capable d'aller au-delà de clivages qui, eux, trouvent leur source, généralement, dans des traditions juridiques nationales. Dans les clivages qui ont été dépassés, deux sont particulièrement importants. Le premier, c'est le clivage public-privé. Unidroit décide de s'intéresser aussi bien aux situations qui sont entre les mains des États, c'est-à-dire aux situations où un État demandeur demande le retour d'un bien culturel auprès d'une autorité d'un autre État, qu'aux situations où nous sommes dans des rapports entre simples particuliers, entre individus, et où il s'agit pour le propriétaire volé de récupérer le bien qui a été, au besoin, de bonne foi acheté par l'acquéreur actuel. Et la Convention d'Unidroit les place sur un plan d'égalité. Elle ne cherche pas à les hiérarchiser. Et elle les place dans un lien d'indissociabilité, un peu comme une pièce avec deux faces. Dans la négociation d'Unidroit, il y avait une proposition, je crois, des États-Unis, de désolidariser, de donner aux États la possibilité de sortir du couple restitution-retour, piocher au fond le mécanisme qui les intéressait le plus. Et ça a été une grande force que de maintenir ces deux aspects différents qui en réalité se recoupent, parce qu'un bien, un État peut très bien demander le retour d'un bien volé, donc on peut très bien avoir des conséquences en chaîne publique-privée, mais n'empêche que les deux aspects différents ont été conservés. Deux aspects, deux faces pour une même réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le droit à cette intelligence de multiplier les voies d'accès pour arriver à la solution. Et quand vous êtes face à un phénomène de grande ampleur, contre lequel il est extraordinairement difficile de lutter, la chose intelligente que le droit peut faire, c'est de multiplier les voies d'accès. Parce que si une voie est fermée, alors
on peut espérer que l'autre s'ouvre. Si vous avez deux chemins totalement différents pour arriver au résultat, vous avez plus de chances, comme nous tous aujourd'hui, d'être à Rome. Et je sais de quoi je parle. Deuxième clivage dans la Convention, qui est un clivage là aussi juridique, est-ce qu'on adopte une démarche matérielle ou conflictuelle ? Alors je m'explique. Dans la démarche matérielle, il s'agit, comme droit uniforme, ce que sait faire UniDroit, de proposer des corps de réglementation qui vont prendre place dans les systèmes juridiques nationaux et qui vont être de même rang que les réglementations nationales. Ça, c'est l'aspect matériel. Le droit offre une solution, dit qu'il doit y avoir retour, dit qu'il doit y avoir restitution, dit qu'il doit y avoir indemnisation, etc., etc. Dans l'aspect conflictuel, on ne cherche pas à donner des solutions matérielles, on cherche à coordonner des systèmes nationaux différents et, par exemple, à dire, quand on a une concurrence de droit, eh bien, la règle va donner une compétence à telle autorité plutôt que telle autre ou va appliquer telle loi nationale, présentation que nous avons eue ce matin, plutôt que telle autre. La Convention d'UniDroit a décidé de ne pas se bloquer sur ce clivage, c'est-à-dire qu'elle a décidé de ne pas construire dans le règlement, dans la Convention, deux corps de règles différents selon qu'on traite des questions de droit applicable ou d'autorité compétente et des questions de droit matériel. Tout se lie de manière assez fluide et de manière combinée. Ça, c'est une révolution. C'est une démarche qui est révolutionnaire parce qu'elle, là encore, on montre qu'en utilisant la complémentarité des instruments, on a plus de chances d'arriver au résultat espéré. Ces réalisations se sont faites au prix d'un certain nombre de compromis. Mais le compromis à la façon d'UniDroit n'est pas le compromis tel qu'on l'imagine facilement dans les conventions internationales ou dans les enceintes internationales de négociation. Le compromis classique consiste à tenir des propos édulcorés, c'est-à-dire à ne rien dire tout en faisant croire que, bien sûr, on dit des choses très importantes. UniDroit ne tombe pas dans ce travers. La Convention UniDroit va dire des choses, mais elle va s'interdire de dire trop de choses, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre la contrainte à un niveau trop élevé ou si elle met une contrainte, elle veille à ce qu'elle soit équilibrée. Alors, j'ai plusieurs exemples. Premier exemple auquel je pense, la question cruciale de l'indemnisation du possesseur de bonne foi. L'indemnisation est plantée dans la Convention, c'est bien sûr un des gros sujets de la Convention, mais la Convention d'UniDroit ne crée pas une obligation pour les États de prévoir un dispositif d'indemnisation. Les États qui, comme le droit français par exemple, prévoient un système d'indemnisation, appliqueront leur système au besoin en l'aménageant. Les États qui ne disposent pas de cette culture-là n'ont pas l'obligation de le faire. C'est très intelligent, ça fait exister une institution sans la rendre obligatoire, de manière à ce que ceux qui l'ont s'y reconnaissent, puisque c'est un problème important, et ceux qui l'ont pas ne se sentent pas obligés de changer leur façon de voir. Deuxième exemple de compromis, dans le processus de retour, c'est-à-dire des demandes formées par un État de retour d'un bien sur son territoire. Le retour est une obligation, c'est-à-dire que l'État qui reçoit la demande n'est pas discrétionnaire, n'a pas de pouvoir discrétionnaire dans son appréciation. Mais le retour doit être motivé, c'est-à-dire que l'État qui le demande doit justifier de l'intérêt qu'il entend, l'intérêt légitime qu'il entend défendre en faisant la demande, et UniDroit détaille les différentes possibilités que les États doivent reprendre et argumenter. Dernier exemple de compromis, c'est le facteur temps, qui est un sujet très sensible. La Convention d'UniDroit n'a pas d'effet rétroactif, c'est écrit, mais la Convention d'UniDroit entend bien s'appliquer aux situations, aux besoins en cours, nous le disions tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les mouvements postérieurs, mais qui ont une histoire antérieure, entrent ou tombent potentiellement sous le coup de nouvel instrument. Autre élément de compromis intéressant, la Convention d'UniDroit n'a pas d'effet rétroactif, mais elle n'a pas d'effet d'amnistie non plus. Et c'est écrit, elle n'a pas pour ambition de laver, en quelque sorte, définitivement les fautes du passé.
Voilà la présentation de l'instrument, donc qui se veut très favorable. On pourra me contredire, hein, bien sûr, c'est pas l'objectif. Mon objectif était de porter l'instrument dans ce qu'il a d'intéressant. Voyons maintenant deux mots, je serai beaucoup plus bref, deux mots sur son articulation avec les droits existants. Quand on doit appréhender un phénomène de l'ampleur de celui du trafic des biens culturels, on imagine bien qu'on a plusieurs outils, c'est-à-dire qu'UniDroit ne peut pas exister seul. UniDroit existera dans son interaction avec d'autres instruments. Ces instruments peuvent être des instruments internationaux, régionaux, européens, pour ce qui nous concerne, ils peuvent être aussi nationaux. Pour les instruments internationaux, on peut poser la question des rapports éventuellement conflictuels entre UniDroit et la Convention d'UNESCO de 1970, parce qu'il y a des petits éléments qui ne se concordent pas tout à fait entre les deux. La vérité, et il faut faire grande confiance aux juges, c'est qu'on peut parier qu'il y aura une lecture convergente, qu'il y a une lecture convergente des deux instruments, que la Convention d'UniDroit va être comprise ou peut être comprise, notamment par des magistrats qui doivent les appliquer, comme le moyen de moderniser, de rendre actuels des éléments, c'est pas une critique, de la Convention d'UNESCO, les principes de la Convention d'UNESCO de 1970, de les concrétiser également. Et donc, ce n'est pas le prisme du conflit, c'est au contraire le prisme d'une convergence, d'une construction évolutive où un instrument fait en quelque sorte remonter le niveau de l'autre. Et le succès que connaît, et c'est un succès, 128 États, je réponds à un interlocuteur précédent, c'est énorme en droit international. C'est un chiffre considérable. Vous ne devriez pas dire que c'est un petit chiffre, c'est un chiffre absolument considérable. Vous vous rendez compte, il y a encore 30 États qui manquent, et puis après 50 autres États, on n'est pas vraiment nécessairement dans des figures d'État au sens organisé, capable de répondre aux exigences de cet instrument. Donc c'est presque tout le monde, presque. Pas tout le monde, mais presque tout le monde. Donc ça prouve qu'il y a un effet d'entraînement entre les instruments et que la Convention d'UniDroit, même si elle n'est ratifiée qu'à 37 États, ben elle sert la cause, c'est clair, de la Convention d'UNESCO. Voilà un premier élément. Deuxième élément sur lequel je ne m'attarderai pas, c'est ses rapports au droit européen. Font l'objet d'une communication cet après-midi de la part de ma collègue et amie Marie Cornu. Donc juste un petit mot pour vous dire que là aussi, on a un effet d'entraînement. On a une chronologie bizarre. Hein. On a une directive de 93, une convention d'UniDroit de 95, une refonte de la directive de 2014. Cette chronologie est largement brouillée, puisqu'on sait que la directive de 93 s'est largement inspirée de la Convention d'UniDroit de 95, et je vais y venir, et peut-être que la directive de 2014 pourrait servir aujourd'hui les intérêts d'UniDroit, je le dirai d'un mot, mais je crois que ce sera plus développé cet après-midi. Dernier point, le droit national, dernier élément, la Convention d'UniDroit, même si c'est une convention qui, pour les systèmes qui acceptent l'effet direct, ce qui est le cas de la France, par exemple, et d'un certain nombre de pays européens, des textes internationaux, n'a pas nécessairement besoin d'une réglementation de transposition, parce qu'elle est extrêmement précise, qu'elle confère des droits qui sont des droits subjectifs, publics ou privés d'ailleurs, hein, dans les deux sens, de sorte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un niveau national. Il n'empêche qu'il serait faux de croire qu'on peut penser à la Convention d'UniDroit sans, bien sûr, un rattachement au droit national. Alors, je prends plusieurs exemples. La Convention d'UniDroit amène les États à faire des déclarations facultatives ou obligatoires. Si je prends juste le registre des déclarations obligatoires, la Convention d'UniDroit demande aux États de loger l'instrument international dans leur construction propre, pour qu'on sache quelle est l'autorité compétente, quelle est la procédure à suivre, le texte applicable, de sorte qu'il y ait une interopérabilité entre les systèmes. Ça, c'est très important. UniDroit ne vit pas sans le droit national. Il a besoin de ce relais parce que le droit national est plus complet, bien sûr, plus large que UniDroit. Autre exemple, la Convention d'UniDroit, qui n'est pas une convention de droit international privé, contient néanmoins un certain nombre de règles qui renvoient au droit applicable et en particulier à la loi du pays d'exportation ou à la loi du pays des fouilles, dans ces deux cas précis, donne une place aux singularités nationales à leur façon de caractériser les licites. C'est donc bien qu'il y a une complémentarité extrêmement grande entre les instruments.
Alors, dans ce jeu d'articulation et d'interopérabilité, tout ne fonctionne pas merveilleusement bien, bien sûr. La Convention du droit peut appeler une lecture parfaitement critique. Mon propos n'est pas angélique. Mon propos était simplement de valoriser ce qui fait, au fond, la modernité contemporaine de cet instrument. Je voudrais dire, pour conclure, un mot sur la directive de 2014. La directive de 2014 doit être transposée en droit national. Pour des raisons qu'on nous expliquera cet après-midi, la directive de 2014 entretient des rapports de grande proximité avec UNIDROIT. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la France, le Luxembourg, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, l'Italie, etc., transposent la directive européenne, en réalité, sans le dire, ils transposent la convention d'UNIDROIT. Je vous remercie. Merci, monsieur le Berger, professeur Berger. Je suis certain que cette exposition va être suivie par d'autres qui continueront à épuiser peut-être les sujets que vous avez déjà évoqués d'une façon très, très complète et très précise. Et avant de donner la parole au professeur Espiridon Vrelis, je voudrais vous dire que le directeur général des Antiquités et des musées de la Syrie, le docteur Mamoun Abdulkarim, n'a pas pu être présent dans le colloque, mais il nous a envoyé un message. And he has sent a message. And before continuing this roundtable, I'd like to hear this message from Dr. Abdulkarim. May I? Dear colleagues, good morning. Let me first thank the organizers, and also I couldn't participate personally with you. I still believe that it is really important to present the Syrian Directorate General of Antiquities and Museum voice to be heard in your meeting via this video message. Today I will be sharing with you a brief introduction of what we have done in DGIM during the saddening crisis, our vision, the methods conducted, the result achieved locally and internationally, and the role of international community. The Syrian cultural heritage are witnessing the most violent and dangerous attacks during the recent crisis. The latest development of that painful events, as well as the absence of the specialized government and situation and the archaeological authorities in some regions, contributed greatly to the aggravation of the risk befalling the Syrian cultural heritage. Systematic clandestine excavations carried out by professional armed gangs, smuggling cultural objects grew remarkably across the Syrian borders. Vast regions extending along the geography of the Syrian are now classified as distressed cultural areas, such as Sud of Hasaki, Deir ez-Zor countryside, like Deir Oropos and Mari, and also Idlib countryside as Ibla, Daid village, Aleppo countryside, Wadi Yarmouk in Dar'a, Hama countryside, like Afame, etc. The most devastating and irreversible losses to Syria's rich heritage are the result of looting. Many areas in the country outside state control, a mafia from neighborhood countries hired hundreds of people to strip sites. Thieves have brought in antiquities experts to advise them about the best places to dig, and in many cases, they are using bulldozer. This image, it's image of the Mari and Deir Oropos between 2012 and 2014. We have allowed about 70% of the damage do it by
mafia groups. Example of Ebla in the region of the Ebla, but we tried to reduce the damage through the mediation of the local community. Example of Palmyra, we had a lot of destruction by looting in tombs of the Palmyra, but we recuperated about 120 statues saved from these tombs. Another kind of the damage in the Syria, do it by clashes. Archaeological sites have been transformed to battlefield. The most dramatic situation we found in the Aleppo city. Here is image of Aleppo before and after. We have about 140 damage in building, historical building in Aleppo city. Do not forget what happened also in the ancient souk of Aleppo city, about 1,000 market damaged by fire. Another example of the damage by clashes in Homs city, we have a lot of destruction in this city also. Ma'loula here, also a lot of destruction. Some building in Damascus here, damaged by mortars, but in general, the situation in Damascus is more bitter, is very good. The six sites registered on the UNESCO World Heritage List were officially listed as being in danger in June 2013 in Cambodia meeting. The terrorists, ISIS acts, destroyed all types of the Syrian heritage sites by demolition, burning, vandalism. The damages were various in degrees. Local break the massive building blocks from ancient buildings into smaller stones to sell or use to rebuilding. People who were displaced due to the clashes rest inside the archaeological site, but we do it a lot of cooperation and contact with the local in this area, how we can to protect this damage against the theft and fire and destruction. Syrian museums have witnessing the theft to archaeological artifacts in Raqqa Museum. It was very hard. We lost more 1,000 objects from this museum. Ma'rat Nu'man, about 30 objects in ceramic. Hama Museum, 2 objects. Traditional folkloric museum, especially in Deir Atiyeh, we lost about 1,000 of arm from the 20th century. Some objects stolen from the Museum of Deir Zor and Aleppo. But in general, 99 of the objects in all the museums in the Syria are in good situation till now. This is an example of what happened in Raqqa Museum in 2013. Also, the storage of archaeological sites in beside of Raqqa destroyed by terrorists of the ISIS. They destroyed all this ceramic in this storage house. Is example of the arm stolen from the museum folkloric of Deir Atiyeh. This museum of the mosaic, all the mosaic is good because we do it a lot of cooperation with the local community. How we can neutralize this museum? But about 30 objects of the ceramic and glasses stolen from this museum just. But all the museum mosaic in general is good. Our measures taken on the ground, secure, salvage, and stabilize museums, objects, burglar alarms were installed, and number of guards and patrols were increased. We had a lot of the person working about the packing. Here it's example of the gate fortified in the National Museum. All the gates, all the windows in the Museum of Damascus and another museum is consolidated through this crisis. We do it a lot of the work about documentation, about the map damage, and also website of the DGIM. We publish all the information, good, new, bad. We publish all the information through this our website, and we do it a lot of the database for the collection, for the building, for the paper in the museum.
For the raising awareness, we launched a lot of the campaigns through the gallery and photo in the school, conference, how we can neutralize our heritage through this crisis. We did also a lot of the contact with the local community, how we can to protect our cultural heritage through this crisis if the regions it's not under control of the government. It's for this we do it a lot of the contact with the local community. It's example of this mosaic found in area under control of the opposition, but the people accepted to send us to National Museum this mosaic, and we restore it and we preserve it in safe places. More than 6,000 archaeological artifacts were returned with a treasure containing 1,600 silver-plated bronze coins. And also we do it a lot of restoration in Mosque Umayyad of Damascus and a lot of training for the students of the Damascus University. Openness to the international dimension by maintaining the most active cooperation with all international agencies concerned with the protection of antiquity like UNESCO and ICOMOS, ICROM, ICOM, World Monument Fund, and Arab Regional Center in Bahrain, Interpol, DAI in Berlin, Priorita Cultura Roma, and Asar ICROM in Emirat, and we in sharing visions and information through this crisis, especially in last 2 years. It's an example of conference, a meeting in UNESCO of Paris and Beirut. We do it a lot of training in UNESCO office in Beirut this year. For the international company in Germany, we had a lot of the contact with DAE. They do it good work about database and also exchange information with us. Italy also, they launched an excellent company through this crisis by the Associazione Priorità Cultura. And Japan also, since some months, they launched good work about the cultural heritage in Syria. In England, we had also with Durham University a lot of the work about database and assessment. Our main concern at this stage is to protect the Syrian cultural heritage with all its components and to keep it safe as much as possible, since it belongs to all Syrians irrespective of their views and political orientations. The DGM has done this by attempting to avoid using the issue of antiquities for political agendas which might affect them. The dangers surrounding the Syrian archaeological heritage are growing beyond our capabilities and limited resources. They cannot by any means defeat our will. We call on the international community to recognize the validity of this effort and provide assistance and support for our work. The international community would need to bear in mind that the Syrian cultural heritage is part of the world heritage of humanity, and that the loss of any of its components is a loss to all the humanity. In addition, I would like to urge the international community to effectively stop extremist resources to treat the antiquities and to pressure on the neighboring countries to prohibit illicit trafficking of the Syrian archaeological heritage. Hence, the time has come to take action before it is too late to protect our heritage against a disaster that is painful for all of us. I wish for your conference all the success. Thank you very much. After hearing the message from Dr. Abdul Karim, I would only to complement his information, saying that UNESCO has established a task force for Syria where Dr. Abdul Karim participates, along with other leading archaeologists. And we are now funding, with the help of the European Union, a project for Syria, for Syrian heritage,
from UNESCO headquarters and the Beirut UNESCO's office. So I'd like to now to ask Professor Spiridon-Vrelis to take the floor, please. We will continue with the archaeological items. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'UDROIT, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, je me permets tout d'abord de remercier vivement l'UDROIT pour l'aimable invitation qui m'honore beaucoup. C'est avec grand plaisir que je me trouve ici, dans ce bâtiment aujourd'hui, et non seulement parce que je vais tirer profit des rapports et des discussions qui auront lieu, mais parce qu'il me fait revivre en quelque sorte le passé. Ces jours lointains où on essayait d'élaborer des règles minimales qui compléteraient et faciliteraient l'application de la Convention de l'UNESCO de 1970 et qui répondraient aux aspirations de plusieurs peuples, de nombreuses générations, ainsi qu'aux peines et douleurs des monuments mutilés. Dans les limites du temps disponible, je vous propose de jeter ensemble un regard rapide et nécessairement fragmentaire sur les biens archéologiques au sein de la Convention du UNIDROIT, tout en restant conscient du fait que vouloir rechercher la volonté des rédacteurs après 20 ans risque de ne pas être parfois qu'un effort simulé de ce qu'on souhaite que ces rédacteurs aient dû avoir voulu et non pas de ce qu'ils ont réellement voulu. La question principale est de savoir quel est le statut spécifique que cette convention a réservé aux biens archéologiques. Une autre question préalable, cependant, surgit, non moins importante, quels sont exactement ces biens archéologiques? En quoi consiste leur particularité qui les distingue des autres catégories de biens culturels et qui impose ou qui justifie leur approche spécifique? Donner une réponse satisfaisante à cette question préalable n'est pas une tâche aisée, malgré tout ce qu'on pourrait imaginer. Il peut paraître un peu paradoxal, mais c'est la vérité, la Convention elle-même ne donne pas une définition de bien archéologique. Elle n'utilise même pas ce terme technique, à l'instar d'ailleurs de plusieurs autres instruments régionaux et internationaux et de diverses législations nationales. Elle nous offre simplement, dans son article 2, un indice conceptuel du bien archéologique lorsqu'elle attire notre attention sur l'importance qu'un objet revêt, bien que non exclusivement pour l'archéologie, mais aussi simultanément pour l'art, la littérature, l'histoire, la science, etc. D'autres indices, cependant, font leur apparition plus ou moins discrète dans notre convention, qui fait référence dans son article 3 aux sites archéologiques et aux fouilles, tandis que dans son préambule déplore en particulier le pillage de ces sites. On est probablement justifié de retenir de telles mentions deux éléments caractéristiques du concept du bien archéologique. Il s'agit d'un vestige ou d'une trace de manifestation humaine, d'époque et de civilisation, lequel, en premier lieu, a une certaine ancienneté. Il vient d'un passé plus ou moins lointain. Un âge d'au moins 100 ans apparaît ici et là et figure également dans l'annexe de notre convention. Le second élément consiste en ce que les principales sources d'informations concernant un bien archéologique viennent, bien que non exclusivement, de fouilles ou de découvertes. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que la Convention du UNIDROIT, de toute façon, ne se base pas sur la distinction entre les biens archéologiques et les autres. Elle procède à une distinction fondamentalement différente, à savoir celle entre, de l'un côté, les biens volés, qu'ils soient archéologiques ou non, peu importe en principe, auxquels la Convention, avec son chapitre 2, accorde une protection accrue, établissant leur restitution obligatoire, automatique et en principe inconditionnée à leurs propriétaires dépossédés, et de l'autre côté, les biens illicitement exportés, qui sont réglés dans son chapitre 3,
pour lesquels une protection moindre est prévue, le retour dans l'état d'origine étant soumis aux conditions de l'article 5 de la Convention. Le critère pour cette distinction fondamentale entre biens culturels volés et biens culturels illicitement exportés consiste à l'acte illicite, c'est-à-dire vol ou exportation illicite, qui a pour objet le bien culturel, à l'acte qui a attaqué le bien, tout bien culturel, archéologique ou non, et non au bien lui-même. Cependant, certaines catégories de biens servent en elles-mêmes de critères pour que la Convention procède à de sous-distinctions particulières et ponctuelles. Parmi ces catégories particulières, qui se distinguent des autres biens culturels, figurent tout particulièrement les biens archéologiques. Ceux qui sont ici de fouilles illicites ou de fouilles licites mais illicitement retenues, ainsi que ceux qui font partie intégrante d'un monument ou d'un site archéologique. C'est sur ces deux groupes de biens archéologiques que je me limite. Le premier groupe couvre les biens issus de fouilles. Les fouilles illicites, dites clandestines, constituent un des plus grands dangers qui menacent les biens archéologiques, non seulement à cause de la dévaluation de l'objet lui-même et de son contexte, mais surtout en tant que cause de destruction irrémédiable de la possibilité de restaurer et de suivre la continuité historique. Et ceci concerne la communauté internationale tout entière. On comprend donc parfaitement bien l'intérêt particulier que la Convention manifeste en cette matière, considérant dans son article 3, paragraphe 2, comme volé, je cite, « un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles, mais illicitement retenu, sous condition, je cite encore, que cela est compatible avec le droit de l'État où les dites fouilles ont eu lieu. » Une condition que Pierre Lalive, déjà, considérait à juste titre superflue, ajoutait in extremis, peut-être par souci de ne pas être plus royaliste que le roi. Que deux brèves remarques me soient permises. Première remarque. L'assimilation, dès par le texte de la Convention de ces biens aux biens volés, assimilation qui entraîne la protection du chapitre 2 de la Convention, est la réponse probablement la plus importante et la plus utile que UNIDROIT a assurée aux préoccupations de plusieurs États victimes des fouilles clandestines telles que la Grèce. Elle constitue en même temps une des réactions les plus positives de l'ordre juridique international face aux dangers qui menacent les intérêts de l'humanité et de la science en matière de biens archéologiques. Le juge saisi de la demande en restitution d'un bien issu de fouilles illicites, afin de savoir s'il peut considérer ce bien comme volé au sens de la Convention, n'a pas besoin de faire application, contrairement à ce que plusieurs soutiennent, de telle ou telle règle de tel ou tel pays sur la base de telle ou telle règle de conflit que certains découvrent même dans l'article 3, paragraphe 2. Il doit simplement examiner si l'assimilation de la rétention illicite du bien issu de fouilles au vol est compatible avec le droit de l'État où les dites fouilles ont eu lieu, sans exiger une identité ou une assimilation complète avec ce dernier droit. Le vol, au sens de la Convention, est conçu très largement, couvrant, pour transférer ici la terminologie utilisée par la jurisprudence américaine dans les affaires Turley et Schultz, « all felonious takings », et doit être considéré, à mon avis, et soyons courageux lorsque nous procédons à l'interprétation du règle juridique, doit être considéré identique au concept de la possession illicite du bien. Une approche fonctionnelle, analogue à celle suivie par la Cour of Appeal du Royaume-Uni dans l'affaire Barakat, laquelle permettrait de conclure qu'un droit, indépendamment de sa dénomination, accordé à l'État dès par la loi, est équivalent quant à sa substance au vol, satisferait, me paraît-il, la condition de la compatibilité requise par l'article 3, paragraphe 2. Il devra être de même, à mon avis, et ici soyons un peu plus courageux à l'interprétation, en cas d'établissement par la loi du lieu de la fouille du statut d'une rex
d'une res extra commercium, pour un tel bien, bien que certains soutiennent que ce statut ne soit pas de caractère réel et qu'un droit de propriété étatique ne puisse pas en être implicitement découlé. Deuxième remarque. En dépit de ce que je viens de soutenir, afin qu'il y ait certitude absolue que la condition de la dite compatibilité est remplie, il est recommandable que les législations nationales possèdent une règle simple et claire afin d'éviter tant les difficultés surgies dans l'affaire McLean que les propositions interprétatives un peu risquées. Attribuant à leur État la propriété des produits des fouilles, ainsi que le font par exemple l'Italie, la Grèce, l'Iran, l'Égypte, etc. L'UNESCO donc et UNIDROIT ont bien fait, afin de donner aux États non encore partis à la Convention d'UNIDROIT le fondement juridique interne pour mieux bénéficier du régime conventionnel, mais également pour faciliter la restitution de leurs biens en dehors de la Convention, ils ont constitué un groupe d'experts indépendants qui a élaboré en 2011, sous l'égide des secrétariats de ces organisations, des dispositions modèles sur la propriété de l'État sur les biens culturels non découverts. Ces dispositions modèles sont offertes aux États qui en ont besoin pour qu'ils les incorporent dans leur propre système national. Conformément à la disposition 4, je cite, « un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme un bien volé. » Ce texte est complété par la disposition modèle 5 qui rend en principe nul et sans effet le transfert d'un tel bien considéré comme volé, ainsi que par la disposition 6 qui introduit dans ce domaine une dimension internationale en prévoyant que, je cite maintenant encore une fois, « afin de garantir le retour ou la restitution de l'État des biens issus de fouilles illicites, etc., ceux-ci sont considérés comme des biens volés. » Le second groupe, dont je vais m'occuper, concerne les biens déplacés d'un monument ou d'un site archéologique. Les biens archéologiques, qu'ils soient ou non issus d'une fouille clandestine, sont particulièrement protégés lorsqu'ils font partie intégrante d'un monument ou d'un site archéologique identifié, nous dit l'article 3, paragraphe 4, conformément auquel l'action en restitution de ces biens est en principe imprescriptible. Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, le paragraphe 5 du même article poursuit dans une première phrase que tout État contractant peut déclarer qu'une action se prescrit dans un délai de 75 ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Mais pour que cet État, qui ayant fait cette déclaration, a refusé l'imprescriptibilité, ne soit point favorisé au détriment d'un autre État contractant qui, lui, l'aurait adopté, le même paragraphe contient une seconde phrase. Celle-ci dispose que, lorsqu'un État contractant qui a procédé à la déclaration de la prescription d'au moins 75 ans, demande la restitution d'un bien déplacé d'un monument ou d'un site archéologique tout court. Ici, le terme identifié ne figure dans le paragraphe 5 qui figure contrairement au paragraphe 4. D'un site archéologique situé dans son territoire, son action se prescrit dans ce même délai d'au moins 75 ans. Même si dans l'état requis, l'action en restitution est imprescriptible. La divergence entre les paragraphes 4 et 5 de l'article 3, le paragraphe 4 parlant de monument ou d'un site archéologique identifié, tandis que le paragraphe 5 d'un monument ou d'un site archéologique tout court, sans répéter le terme identifié, permet la question si l'action en restitution d'un bien déplacé d'un monument ou d'un site archéologique non identifié jouit de l'imprescriptibilité. Malgré les termes utilisés dans le paragraphe 4, on pourrait risquer une réponse affirmative au besoin, contrairement au texte de la loi. En premier lieu, l'intérêt de protéger les biens archéologiques provenant d'un monument ou d'un site archéologique
que ces sites ou ces monuments soient ou non identifiés est le même, sinon plus grand dans le cas des sites, etc., non identifiés. Le problème de la réunification du monument ou du site archéologique étant dans tous les cas unique, tous ces biens ont besoin d'une protection identique. Autrement, le législateur international ne serait pas logique. En second lieu, la seconde phrase du paragraphe 5 que je vous ai citée, laquelle ne se limite pas au site identifié, sous-entend qu'il serait concevable d'admettre que l'action en restitution d'un bien déplacé de monument ou d'un site archéologique non identifié resterait normalement imprescriptible, bien que l'État demandeur eût fait la déclaration de prescription de 75 ans si l'État requis ne l'avait pas faite. Et c'est précisément pour exclure un tel résultat manifestement injuste pour l'État requis qui aurait été resté fidèle au principe de la prescriptibilité que le paragraphe 5, phrase 2, dispose qu'une telle action ne reste pas imprescriptible mais qu'elle tombe au même délai de prescription admis par l'État demandeur. Il est d'ailleurs significatif que la pratique des États qui ont fait la déclaration prévue dans l'article 3, paragraphe 5, paraît conforme à cette interprétation, puisque aucun de ces États n'a fait de distinction entre sites archéologiques identifiés et non identifiés. Voilà, mesdames et messieurs, les réflexions que je souhaitais partager avec vous, et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Vrelis, pour votre très intéressante intervention qui souligne des aspects concrets sur les biens archéologiques de la Convention du droit et qui complète celle qui a été faite auparavant par le professeur Berger. We are now going to the ecclesiastic objects. I will recall you that we have another item on private collections. Being in a hurry this morning, I will ask you the two last speakers, Professor Marc-André Haldimon and Professor Jorge Sánchez Cordero, to intervene in early afternoon after lunch, because the lunch is intended to be at 1 o'clock. We will be a little bit late and for lunch, but we will stop at that time at the end of the item of ecclesiastical objects, and we will continue in early afternoon with the private collections item at exactly at 2:30. So I will ask Signor Sandro Barbagallo, who is the curator of the Department of the Historical Collections of the Vatican Museums, to take the floor, please. Mr. President, ladies, gentlemen, members of UNIDROIT, it's a great honor for me to be before you on this memorable occasion, and it's furthermore a particular privilege to be able to represent the Vatican Museum, which have for over 500 years preserved the artistic patrimony collected by the popes. We have works of art covering a time span of over 3,000 years. To the extent that today we can certainly describe that as a sort of treasure chest of human creativity. A chest where, therefore, there is everything, even though the majority, not by chance, are religious work. With the rise of religions, monotheist or polytheist, animist or totemist, art is therefore transformed into their direct expression of faith itself, to the point that it becomes an expression not only of the sacred, but also of the ecstatic taste of a people,
thus taking on an absolute artistic and historical value. In other words, artistic religious heritage represents the soul of a people, the true story of a nation. The vulnerability of this heritage, therefore, is all the more serious when considered in terms of its importance for humanity as a whole. This means that any threat to religious artistic heritage may be compared to a threat to memory and thus to the very identity of a single community or indeed to an entire nation. Unfortunately, wherever it is found over the world, and whatever its origin may be, religious heritage has for too long aroused the greed and the interest of illegal art dealers. This trade continues to flourish and expand due to the numerous theft from places of worship that occur on a daily basis. In Italy alone, thousands of objects disappear every year from churches, basilicas, buildings and libraries of religious orders. Consider that in the last 10 years, more than 4,000 art theft have been reported, a total of around 28,000 works, including paintings, sculptures, books, reliquaries, holy water fonts, candelabra, and other furnishings. It's true that religious goods are often extremely vulnerable to criminal acts on account of the isolation of the buildings or the absence of adequate security system. But it's also true that if this traffic in works of art is booming, it's because traders and collectors thought it would be better to describe them as criminals, know that they can get away with it. The task of UNIDROIT is therefore the greatest importance, as only you are able to establish the necessary legislative frameworks and to sensitize governments to that these are adopted. Personally, I'm not an expert in law, as I am an art historian, and as such, I curate the historical collection of the Vatican Museum. As an art historian in the service of the Holy See, therefore, I consider it interesting to remind you all that the first laws for the protection of the work of art were passed in Rome at the end of the 15th century. The first provision of the protection of the cultural heritage is the Bull Etsi de Concutarum, issued in 1425 of Pope Martin V, defining the devastation of the ancient buildings as sacrilege. In 1462, Pope Pius II Bull, cum almam nostram urben in sua dignitate et splendore conservare cupiamus, while permitting the removal of marble from the Colosseum to build the central loggia of St. Peter's Basilica in Vatican, dictated precise rules
prohibiting anyone without prior permission from demolishing, destroying or damaging ancient public buildings or their existing remains in Rome and the surrounding district, even if private ownership. Just 10 years later, Pope Sixtus the 20 emitted the bull Cum Providentia Sanctorum Patrum Decrete, decreeing the prohibition of removing of works of art preserved in churches. This prescription, however, were of very limited efficacy, and in Rome, the nobility continued to remove marble from ancient monuments, frequently just to make lime, as Raphael remarked it in a famous letter to Pope Leo X in 1515, which led to the institution of the Inspector General of Fine Arts, first with Bramante and then with Raphael himself. These first steps in legislative protection were decisive for the definition of the many laws subsequently passed intended to prevent the exportation of any form of artistic goods so as to obstruct the collection market. Indeed, Cardinal Giovanni Battista Spinola's 1704 edict forbids the exportation of archaeological objects, rare books, codices and manuscripts, introducing for the first time in the history not only the so-called rights of first refusal by the state, but also the compilation of an official catalogue in continual expansion of all the types of works that could not be exported without a suitable license. This legislation was refined in 1820 with the issue of the so-called Pacca Edict, which reorganized and perfected the entire administrative sector with the intention of overseeing the artistic heritage of the state, or rather the Fine Arts Commission, to whom the supervision of the application of the laws was delegated both in terms of conservation and restoration of the works of art. The Pacca Edict was therefore born in the aftermath of the recovery by the Papal State of the work stolen by Napoleon. You, in terms of looting of artworks, was certainly the precursor of all the dictators of the modern age. A genius with criminal tendencies or an ingenious criminal? To select the most suitable definition of Napoleon, it's sufficient to recall the two decades that left behind 5 million dead, plus the systematic looting of the vanquished nation, the desecration of churches, the humiliation of two popes and in their people, as well as the practice of the looting religious artistic heritage. Thousand art of works were brutally destroyed without consideration of their unique nature. I think of the so-called treasure of St. Peter Basilica, the many liturgical furnishing removing from the Romani basilicas, and the two ancient and very precious reliquaries of St. Peter and St. Paul of the Ciborium of the Basilica of St. Giovanni in Laterano, as well as the many tombs
that were desecrated in the search of valuable goods, as such that of such as that of Beatrice Cenci in St. Peter in Montorio. Not to mention the looting of other cities, such as L'Aquila, where the silver chest containing the remains of Pope Celestino V was stolen, or Venice, robbed from the bronze horses from the St. Mark Basilica. You might ask, we'll still think of Napoleon when we should instead be paying attention to the daily news of petty crimes, or the unspeakable ones perpetrated by ISIS. My answer is simple. Whether they occurred yesterday or today, whether they are theft or acts or destruction, they are always acts of fanaticism or madness. And in this respect, what difference is there between the theft intended to feed Napoleon's collections or those perpetrated by the many anonymous lovers of beauty today? To me, there is no difference, as they are still theft and harm the cultural heritage of the state. Thank you for your kind attention. You can see the past is still present in many ways. Thank you very much for your presentation. Now we will go to the last presentation of this morning, who is by our Secretary General, José Angelo Estrella Faria. I thank him very much for organizing this event, and I would like to enhance the UNIDROIT work, which is extremely helpful for UNESCO and for the international community. So, José Angelo. Thank you very much, Alfredo. Being the representative, the convener of this meeting, I myself cannot thank anyone for having invited me for being at this podium. Perhaps only my colleague Marina Schneider, who suggested that I should address the audience. And choosing the subject, I thought, and that also suits the order of the speakers, that since we are one of the rare international organizations that has the privilege of having the Holy See as a full member state and not mere observer, that perhaps I would address a topic that is dear to the heart of this rare member state, and that is the issue of protection of religious or ecclesiastical cultural property. Our presence in this room, and we just the presentation just heard, reminds us of that. Religious entities, organizations, communities, and institutions are among the largest holders and producers and collectors of cultural objects worldwide. However, this does not mean that the laws in all the countries necessarily treat cultural property differently according to their ownership by a religious institution or a religious community. And this is essentially the point I'd like to address in the context also of the international instruments. Moreover, not every piece of church property is at the same time cultural property in the notion of the cultural heritage laws in most countries, and also in the perspective of the protection of cultural objects in the way you treat it under the UNIDROIT Convention. The church, the Roman Catholic Church itself, has only started to use the term cultural property relatively recently. The traditional distinctions terms in the past being holy objects, res sacrae, the treasures of the church, res preciosa, and the property of the church, the res ecclesiastica. But what is also important to note is that with regard to quote-unquote their cultural property,
churches and religious communities have a, I may say, a spiritual or theological interest rather than a purely legal or even cultural one. And that is from the viewpoint of a religious community or a church. Property is valued not only because of their function as a testimony of our civilization, but as their function as testimony of faith, past faith and faith that is kept alive, and the use of the objects for keeping alive that faith. That is the pedagogical and evangelical value of cultural objects from the perspective of the church. So church and state do not necessarily view cultural property exactly and squarely in the same sense. Now, if you look at international law, the first reference to church property appear in the in war law, and you find it in the 54 Convention. We also find it later on in the statute of the Roman Statute of the International Criminal Court, condemning as a war crime any acts directed against buildings dedicated to religion, education, art, etc. The UNESCO Convention, the 97 UNESCO Convention, does not make direct reference to churches or religious communities as owners of cultural property as such. The UNESCO Convention contains an objective notion of cultural property for which the religious value of the object is a factor, but not the ownership by a religious community or a church. The UNIDROIT Convention, however, introduces a subjective element which I find particularly important, because the UNIDROIT Convention contains a provision that extends the limitation period, as Professor Vrelis mentioned, not only of stolen or illegally exported archaeological objects, but also objects that belong to a public collection. And here comes what is interesting, that the public collection is defined as a group of inventory or otherwise identified cultural objects owned, among others, by a religious institution. So there in the UNIDROIT Convention we have the subjective element, which you do not have in the general objective definition of cultural property. Now, I'm fortunate to speak after Dr. Barbagallo, because I do not have to make reference to the enormous influence that the church's own, legislation on cultural property had in the development of cultural heritage legislation in other countries. I would like only to say a few words about the way, and I take the example of the Roman Catholic Church, the way the Church deals with the protection of cultural property internally and the possibilities given to it through public international law and the concordat practice of the Holy See to protect its own cultural property. Obviously, we know that the Lex Pacca, which was the last pontifical decree concerning cultural property, lost its geographic scope of application with the dissolution of the patrimony of St. Peter and the integration of large parts of it into the then Kingdom of Italy. And provisions of that, however, are contained in canon law. And canon law has extensive provisions on the protection of cultural property of the church, even though to use the term in canon law is not entirely accurate, at least under old canon law. But also the church has extensive provisions on the management of its own property, including various authorization procedures that may have also civil consequences and play a role in preventing the dissipation of the property of the church. Now, apart from the rather hypothetical case of a restitution claim being submitted by the Holy See itself, in most cases, even where canon law would be applicable, it would have to be enforced before domestic courts. And here, whatever protection is conceived within the system of canon law of the Catholic Church, that would not displace the several obstacles that the diverging
private law regimes in the various countries pose to restitution claims, and especially would not prevent the risk of property loss by the religious institutions, including the Holy See itself, due to adverse possession and due to a good faith acquisition by a subsequent owner if the object is stolen or if the object is disposed of in violation of the church's own rules on property management. Recent concordats have, however, mentioned the common interests of both the church and the state in preserving cultural property, and to use the term of the Patti di Villa Madama in Italy of 1984, religious cultural property of religious interest, which is a new term introduced there, but also the concordat with Colombia, the Spanish agreements of 1979 have established a bilateral cooperation mechanism, but was particularly important in our context they enlist the assistance of the state in developing inventories and cataloging of the church's cultural property, and that has a fundamental, plays a fundamental role in assist and not only for preservation purposes, but eventually also in substantiating possible restitution claims for the role they play in proving the ownership of the property at that point in time. However, another important ways of also of preventing the dissipation of cultural property held by religious institutions, again in the case of the Roman Catholic Church, can be found in some countries that recognize enforceability before civil courts of provisions of canon law concerning the authorizations required for disposition of the church-owned property. That tends to be the case of the older concordats, the concordat of the German Reich, the Austrian concordat, and also the Italian concordat, even done under the new, with the amendments of 1984. That, however, is not a universal rule, and many other Catholic countries do not know the notion of the civil enforceability of canon law, and therefore would not provide for this extended layer of protection that exists in countries where, for instance, in Italy, it is the understanding that provisions of canon law are held to be of general knowledge, and was one who acquires disposed of in violation of the internal procedure provisions of canon law cannot invoke good faith as justification of its title. All that said, given that none of the provisions in the concordat affects the general regime, civil law regime in the various countries, the protection of the property of even such a organized institution as the Roman Catholic Church remains essentially fragmentary, remains divergent depending on the relevant country, and inconsistent. I would here also insist that if that is the case for the Roman Catholic Church, other religious communities are far disadvantaged in that respect, because they do not have the possibility of enlisting the help of the states through the concordats and public international law. And that given the value of their collections, any person and any decision makers that honestly care about preservation of the cultural heritage of mankind should give particular attention to the cultural property of religious communities. It should not surprise anyone to hear from me that I think that one basic precondition for that, considering that other churches and religious communities also have a transnational interest, that subjecting them to this fragmentary treatment is inconsistent with the notion
even of the separation of the state and the churches. You're not surprised to hear that I believe that in that sense it is also important to ensure the widest possible ratification of the New Drug Convention, but also that I think it is important to give consideration to the interests of all religious communities and churches also in having a say in, also in what is defined as a cultural object, and that their interest in religious cultural objects be duly taken into account in civil legislation. Thank you very much. So we will stop here. We will continue at 2:30, and I invite all of you to lunch in the terrazza just nearby. Thank you so much. 2:15. So, no, Marina tells me that we have to start at 2:15.